Bonjour à tous, nous sommes mercredi 14 avril 2021. Je suis à Lidl de Valenton, c'est parti pour une petite vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana et je suis Razika. Ici on a des plants de tomates, courgettes. Alors on a plusieurs variétés de tomates. On a du poivron rouge, du poivron vert, on a des concombres, des tomates cerises. Alors la plante est à 1,99€, mais si vous en prenez deux, elle vous revient à 1,39€, ça fait les deux plantes pour 3,38€. Ah bah voilà, je vous l'avais montré hier, mais j'étais pas sûre, c'est bien un laurier rose sur tige, il est à 12,99€. Hortensia grosse tête, 3,99€. Côté fruits et légumes, l'artichaut est à 1,49€. Tiens, la lessive, on a la première lessive à 8,69€, la deuxième à 1,73€. Ça vous fait les deux boîtes à 10,42€. En fait, c'est un 80% sur le deuxième. Et si vous en prenez qu'une, bah, je vous l'ai dit, 8,69€. Papier toilette, 4,99€, les 16 rouleaux. C'est des rouleaux 4 plis. Coulis de tomates, le premier est à 1,28€. Si vous en prenez deux, ça vous fait 1,68€, donc 1,68€ les 6 briques. Coulis de tomates, on peut mettre ça, si vous faites des pizzas maison, dans des sauces, dans des pâtes. Moi parfois je l'assaisonne, je mets un petit peu de basilic séché. Je laisse un petit peu le temps que ça prenne l'arôme ou du vrai basilic. Hein, et comme ça, ça vous fait une petite, un petit coulis assaisonné ou parfumé. En parlant de pâtes, les spaghettis, le paquet de 3 paquets, le paquet de 3 paquets, le lot de 3 paquets, 1,76€. Maintenant, je regarde toujours la taille, vous savez qu'il y a des tailles dans les spaghettis. Donc, j'aimais les toutes fines, les numéro 1, et là, il n'y a pas longtemps, je suis passée aux plus grosses. Donc, voilà, ça doit être les spaghettis standard. Le Nutella, alors j'ai entendu hier la pub à la radio. Le pot de 975 grammes est à 4,59€. Les paquets de Milka, donc le premier produit 3,69€, si vous en prenez deux, ça vous fait 5,53€. C'est des lots à l'intérieur, il y a 6 paquets de... Non, oui, il y a 6 paquets de brownies, choco brownies. Elle est toujours dans la lessive, cette fois-ci lessive maison verte, lessive écolabel, hypoallergénique, il y a 30 lavages. Le premier est à 5,89€, le deuxième 1,76€, ça vous fait les deux pour 7,65€. Après on a les recharges, ma réflexion, c'est vrai, c'est pas vraiment que je vois ça, hein. Il n'y a pas que dans cette enseigne-là, mais des fois les recharges sont un peu plus chères que les flacons comme ça. Mais en tout cas là, on s'y retrouve quand même, puisque le deuxième produit est à moins 80%, ça vous fait les deux recharges pour 7,08€. Lessive liquide. Maison verte, basilic, thym. Donc les trois produits sont à 2,90€. Oh, aux fruits mousse lavande, c'est de la mousse. Hein. Mousse lavande, 1,09€. Il y a abricot, il y a mangue, ça doit sentir super bon. Water lily, abricot, on l'a vu, mangue. Et on a vanille. Alors comme ça, moi j'aurais pris... mangue, ça a l'air de sentir super bon. L'abricot aussi, 1,09€, c'est de la mousse. Mélange de biscuits, 1,99€. Ça fait un peu, ça me rappelle les snacks, enfin, plutôt salés. Oh, c'est rigolo, c'est la première fois que je vois ça, fallait y penser. En fait, c'est des petites boîtes, donc il y a des néo, des cookies, des petits gâteaux comme ça, ceux-là et ceux-là. Donc il y a 6 gâteaux différents pour 1,99€. C'est pas mal parce que ça permet de goûter les différents gâteaux. La maïzena, là il y a 700 grammes, 2,29€. Alors la maïzena, on peut faire plein de choses. On peut aussi, quand moi je fais des crêpes ou certains gâteaux, par exemple s'il faut 200 grammes de farine, je vais mettre une partie de maïzena, pas beaucoup, hein, un quart, en 50 grammes et 150 grammes de farine. Et ça permet d'avoir des gâteaux plus aériens, plus fondants. J'ai remarqué vraiment la différence hein, quand j'en mets et quand j'en mets pas. On a du pain lavage. Alors, je ne sais pas si on dit lavage ou lavage, je ne sais pas. 1,49€. Non, c'est pas celui-là. 1,49€. Il me semblait que c'était pas celui-là.
Pour moi, le pain à la vache, c'est celui qui est en carré. Bon, bref. En tout cas, il y a celui-là, il y a du pain aussi, mini pain turc. Allez, sauce mexicaine, 99 centimes. En fait, attention, il y en a qui sont plus piquantes que d'autres. C'est 99 centimes. Les sauces pour les fajitas, 1,79€. Mélange d'épices. Là, c'est pour faire du guacamole. Donc, guacamole, c'est à base d'avocat. Hein. Donc, 1,19€ le premier paquet. Si vous en prenez deux, ça vous revient à 1,57€. Alors, faites attention parce que il y a plusieurs piments. Donc, selon, vous regardez bien si vous voulez doux, moyen ou piquant. Je ne sais pas s'ils ont du piquant ou que du doux, mais je pense qu'ils ont les deux. Hein. Enfin, même les... Ah non, il n'y a que du doux. Champignons noirs. 1,19€. On a des shiitake en lamelles, 99 centimes. En fait, c'est plutôt pour faire des spécialités asiatiques. Ensuite, on a des mélanges du monde. Donc, c'est 2,78€ les trois, mélangés si vous voulez. Sinon, le premier produit est à 1,39€. Il y a pour le couscous, pour faire de la paella ou pour faire du chili. On a d'autres épices, hein, gingembre moulu, curcuma, 79 centimes. Les biscuits sablés pur beurre, le premier produit est à 1,15€ de la mère Poulard et les deux produits sont à 1,73€. Tételet, thé vert ou thé noir, alors c'est marqué là, recherchez, parce qu'ils mettent thé vert, recherchez le thé vert. Je le trouve pas, je trouve que le thé noir. Donc 2,05€ le premier produit. Si vous en prenez deux, ça vous revient à 2,70€. On a les clippers infusion. Alors ça, vous êtes beaucoup à en parler sur le partage Facebook, du groupe Facebook. D'ailleurs, on est 100 000 depuis hier. Donc le groupe Facebook, c'est Arrivage Lidl par mes secrets de nana. J'en parlerai d'ailleurs sur le groupe un peu plus tard. Donc le premier produit est à 2,65€ et si vous en prenez deux, c'est 3,49€. Donc c'est des infusions vanille et saveur fraise bio. Le moelleux à la noix de coco, 2,59€. J'en profite d'ailleurs, vous voyez, ça m'est complètement sorti de la tête. Je me suis dit, il faut que je fasse un petit truc spécial et tout pour les 100 000 abonnés. Et du coup, ça m'est sorti de la tête avec tous les événements et tout ça. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes abonnées sur YouTube qui sont aussi dans ce groupe-là. Merci beaucoup de me suivre. Et d'ailleurs, ça va être la petite parenthèse où je vais parler beaucoup. Donc ceux qui n'aiment pas quand je parle, vous pouvez baisser le son. Merci beaucoup d'être là parce que je vois que il y a vraiment des abonnés qui me suivent sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et merci d'être là. Encore une fois, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance de vous avoir. Voilà. Vous pouvez remonter le son, ceux qui l'avaient coupé. Hein. Oui, je sais, j'ai un drôle d'humour, mais bon... Arôme naturel de vanille, 1,79€. Et on a les gousses de vanille à 4,49€. On a aussi les gousses de vanille bio à 4,85€. On a les pépites de chocolat au lait pour faire des bons petits cookies ou autres. Vous pouvez faire tout simplement un cake et mettre des pépites de chocolat dedans, ça va fondre, ça va être vraiment très bon. 2,65€ les pépites de chocolat au lait vanille bio. Tiens, il me semble pas vous l'avoir présenté ça la semaine dernière, je m'en souviens plus. C'est un seau d'olive, citron et cumin, 2,49€. Bon, je vois pas le prix, mais vous avez aussi des filaments de safran. D'ailleurs, qui est une épice qui est... je sais pas encore, parce que c'est longtemps que j'en ai pas acheté, mais qui est d'ailleurs très très cher. C'est l'or des épices. Les dorum, 2,99€, donc spécial kebab, environ 30 cm, il y en a 12. Alors ça, c'est des arrivages entre guillemets de la semaine dernière. Je vous avais expliqué un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez normalement au fond de vos magasins, logiquement, c'est presque partout pareil dans les Lidl. Alors, j'ai pas été dans tous les Lidl, mais ceux que j'ai fait, sud, nord, est, ouest, ils sont comme ça. Au fond de votre magasin, vous allez avoir des rayons avec au-dessus une petite cloche, là, offre spéciale. Vous allez avoir les offres de la semaine, mais dans le catalogue, il y a des offres qui durent une semaine. Mais il y a des offres qui durent un mois, 2 mois, 6 mois, 15 jours.
Et donc du coup, c'est toujours là, mais il faut tourner autour de ce rayon-là et vous allez avoir les arrivages des semaines précédentes. Voilà, quand vous voyez ça au fond du magasin, hop, c'est là qu'il y a les offres spéciales de la semaine. Mais il y en a un petit peu partout aussi, hein. Mais le plus gros est là. Cette brioche, elle a l'air vraiment pas mal, elle a l'air bien moelleuse et tout. C'est une brioche tressée au sucre perlé, 1,89€. Vous voyez, il y a des offres par exemple qu'on retrouve directement dans leur rayon, ou bien sinon, normalement là où il y a le frais tout au bout, pareil, il y a des rayons réfrigérés où il n'y a que les offres spéciales. Les mentales râpées, on a deux poussins à acheter, ça vous fait les trois produits pour 2,98€. C'est des sachets de 200 grammes. Faites attention parce que des fois je vous le rappelle, hein, 99 centimes c'est le prix du paquet si vous en achetez 3. Si vous en achetez qu'un, le prix indiqué aussi, il est 1,49€. Ah, tiens, hier on parlait de ça, les feuilles de vigne farcies au riz. En fait, hier je parlais des spécialités bah, turques, orientales, enfin de tout pays. Et du coup, on m'a dit, bah, tu sais quoi, les feuilles de vigne avec du riz dedans, c'est trop trop bon. Et tout de suite j'ai pensé à Lidl parce qu'ils en proposent souvent. Là c'est 1,49€, mais j'ai toujours pas goûté. Voilà, donc c'est des feuilles de vigne farcies avec du riz. Alors j'ai dit spécialité turque, mais je me demande si c'est pas grec cette marque là. Enfin bref, c'est toujours ce que je vous dis, parce que des fois je dis un pays et puis c'est pas ça. Le principal c'est que ce soit bon. Après, parce que des fois on a des spécialités, moi j'ai remarqué, on va penser que c'est d'un pays et puis c'est d'un autre. Voilà, faut vraiment pas se prendre la tête dessus. C'est vrai que quand on est originaire de ce pays, bah, du coup on est fier de ses racines ou de son pays. Et puis du coup on dit non, 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 c'est de chez moi. Mais bon, après, faut pas non plus prendre la tête plus que ça. Voilà, c'est bien de dire bah, c'est de mon pays, c'est bien d'apprendre, mais il ne faut pas se fâcher. Moi, vous savez, j'ai une chaîne de cuisine, comme je vous l'avais dit, et des fois j'ai lu des commentaires. Bah, j'ai dit bon, bah, quand même, faut pas aller jusque-là. Quoi. C'est parce que j'avais présenté un plat qui pour moi était typiquement d'un pays, et puis je me suis fait lyncher en commentaire en me disant non, non, c'est notre pays, mais non. Faut pas, voilà, faut pas penser comme ça, il faut reprendre. Hein. Même moi, quand je me trompe, je vous dis par exemple là c'est turc. Si ça vient de chez vous, dites-moi, bah voilà, moi je suis de tel pays et ça vient de chez moi, sans plus. Mais vous auriez vu, enfin bref, bah, c'est comme ça. De toute façon, on va pas refaire le monde. Voilà, que ce soit grec ou turc, en tout cas, c'est super bon. Voilà, apparemment, je vous dis c'est super bon. J'ai pas encore goûté, je vous le dirai dès que je goûterai. Et dire que en fait les pâtes, quand je vous parlais des pays, c'est juste une petite note d'humour. Hein. Les pâtes apparemment c'est pas du tout italien, c'est plutôt asiatique. Je vous parle pas des nouilles, mais voilà, à la base c'est pas italien, hein, c'est, c'est asiatique. Voilà, il y a plein de plats comme ça, on pense. Après ça a été peut-être que ça vient d'un pays et puis l'autre pays l'a mieux, je sais pas moi, la mieux préparé ou mieux travaillé, mais en tout cas voilà, c'est rigolo de savoir des fois les origines des plats. Et souvent on est très étonné. Nous ils taillent légumes bio 2,69€, donc c'est des nouilles avec des petits légumes. Je vois des courgettes, je vois des petites carottes, citron givré, citron orange, noix de coco. Alors ça c'est bon, ça me rappelle mon enfance, j'adorais ça, les citrons givrés comme ça. C'est 4,79€. Par contre, je vois pas de coco. La coco aussi, moi qui aime la coco, c'est vraiment très bon. On a des mini empanadas au thon et légumes épicés de 2,99€. Les glaces Ben & Jerry cookie. Alors c'est ma fille qui adore ça. Moins 30%, c'est 2,72€. On a le thon petit navire. Donc le premier est à 3,86€. Alors non. Si vous en achetez qu'un, c'est 5,40€ et les deux produits, non pardon, les deux produits sont à 5,40€, ça y est, je mélange tout. Les deux produits, donc il y a 4 boîtes, sont à 5,40€ et si vous l'achetez tout seul, 2,70€. Alors pourquoi depuis tout à l'heure j'insiste? Parce que moi, il y a quelques années, au début, quand j'ai commencé à faire mes courses avec les promos et tout, je me trompais toujours quand je voyais ce prix-là. Je voyais 1,54€, je me disais waouh, ou 3,86€ le premier produit. Je me dis ah ouais, mais non, en fait c'est le prix si on achète les deux, vous voyez. Et en fait je vous dis des bêtises, donc ça c'est si on en achète un c'est 3,86€, et donc en fait si on achète le deuxième revient à ça, donc si on en achète qu'un c'est 3,86€, ça sera pas ça divisé par deux. Voilà, c'était ça. Ouh, je crois que je vous ai embrouillé un petit peu, c'est peut-être l'heure de vous laisser. Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Je vais aller quand même devant si je trouve des choses intéressantes, je vous les montre. Sinon je vous dis, je vous souhaite une très très bonne journée. Il y a encore d'autres promos, tout n'est pas encore mis. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.
Alors, ouais, j'ai bien fait de ne pas couper. Alors, des fois, je vous dis au revoir et je coupe et je m'en vais. Puis après, arrivé dehors, je me dis, enfin, sur le chemin en partant, je vois plein de choses. Et après, arrivé dehors, je me dis, oh là 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 là, je lui aurais pas montré ça. Bon, bref. Feuille de lasagne, 99 centimes, sans pré-cuisson. Ah ben voilà, vous voyez, on aurait raté le savon naturel. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le savon naturel, celui-là, le. À l'olive, donc il y a olive, fleur d'oranger ou lavande, c'est 3,15 €. Fleur d'oranger, il doit sentir super bon le fleur d'oranger. Miel de lavande. Après, on a le naturel, on va dire, extra pur Marseille. On a le flacon de 500 ml, il est à 2,55 € et le grand là de 1 litre, la recharge, elle est à 4,66 €. Voilà, bon bah je suis arrivée au bout du magasin, je vous fais plein plein de gros bisous. Merci encore d'être là, merci pour votre gentillesse. Des fois je lis vos commentaires, franchement ça me donne le sourire, c'est vraiment très très gentil. Merci beaucoup à tous et je vous dis à plus tard.